La PCR, ou Polymerase Chain Reaction, est une répétition de cycles de polymérisation. Plus simplement, il s'agit de multiplier un fragment d'ADN. On amplifie ainsi de façon exponentielle une séquence apportée en faible quantité. On doit la PCR au chercheur américain Carrie Mullis, qui commence à développer la technique en 1983. Il s'exclame le matin suivant « Je me suis réveillé dans un nouveau monde ». Il faut attendre 1985 pour que la première publication à ce sujet soit publiée, et 1993 pour que Carrie Mullis soit récompensé par un prix Nobel de chimie. Entre-temps, en 1988, le fragment d'ADN polymérase d'Escherichia coli initialement utilisé est remplacé par la TAC polymérase thermorésistante, ne se dégradant pas à chaque changement de température. Plus besoin de remettre de l'enzyme à chaque cycle. En moins de 3 ans après sa description, tous les laboratoires de biologie moléculaire l'utilisaient.